Coucou, coucou. Salut la team. Donc voilà. Aujourd'hui c'est une vidéo assez spéciale. Je vais vous dire. Je marque hashtag nouvelle moto. Il y a beaucoup de personnes qui me disent déjà, t'as déjà vendu le C130, tout ça. Eh non, je l'ai pas vendu le C130, je garde. Vous êtes fous ou quoi? Je garde mon C130. Alors voilà. Et cette vidéo, alors je vais vous montrer. Donc déjà vous avez découvert. Comme je suis un peu habillé quoi, normal quoi, vous avez vu? Petite boîte. Bref. Donc vous avez découvert un petit peu comment je suis. Et quelle est cette nouvelle moto? Cette nouvelle moto, je la floute à chaque fois et tout, parce que là je voulais. Là je vais pas la flouter. Je suis en train de faire ma vidéo. Donc là je vous la balance cash cette vidéo. Vous allez la voir cette moto. Donc voilà. Alors, je vous dis juste, n'hésitez pas à liker et partager cette vidéo, ça me fait super plaisir, et abonnez-vous surtout parce que là je suis motivé comme Jaja à faire des vidéos cette année. Donc voilà. Bon, il faut que j'arrête de dire donc voilà parce que j'ai l'habitude de dire ça, cette merde là, je fais que le dire dans toutes mes vidéos, ça me saoule. Bon, la moto est juste devant moi. Je vous trouve tout de suite. Regardez juste l'intro vite fait là, manière. Là, je vais regarder la vidéo. Et vous allez voir la nouvelle moto. Allez les potes! Ciao tout le monde, à tout de suite! I never fucked Wayne, I never fucked Drake. All my life, man, fuck's sake. If I did, I'd menage with him and let him eat my ass like a cupcake. My man fool, he just ate. I don't duck nobody but tape. Yeah, that was a setup for a punchline on duct tape. Worry about if my butt fake. Worry about y'all niggas are straight. These girls are my sons, John and Kate. Plus eight, when I walk in, sit up straight. I don't give a fuck if I was late. Dinner with my man on a G5 is my idea of an update. Hut, hut one, hut, hut two. Big titties, big butt two. Fuck, fuck with them real niggas who don't tell niggas what they up to. Had to shout bitches with a top ears. Rang finger with a rock ears. These hoes couldn't test me, even if the name was Pop Quiz. Mad bitches who I fuck with. Mad bitches we don't fuck with. I don't fuck with them chickens unless they last name is Cutlet. Let it soak in like seasoning. And tell them bitches blow me. Lance even freeze every bottle and cup in the sky. Sparks in the air like the 4th of July. Nothing but bad bitches in here tonight. Oh, if you lame and you know it, be quiet. Bon, la team, je vais ranger mon téléphone. Hop. Donc voilà, je vous disais, j'espère que la vidéo, l'intro vous a plu. Parce que je m'améliore vite fait au montage. J'apprends petit à petit, je m'améliore. J'ai acheté du matos là, pour faire de meilleure qualité. Comme vous l'avez vu, l'appareil photo Nikon D7200. Voilà, je me fais plaisir comme je travaille, tranquille. Bon, je vais vous expliquer aussi pourquoi retour aux sources. Voilà, on retourne aux sources. Petite bêta. Franchement, je me fais plaisir. Je vous le dis. Alors avant, on va démarrer. Tranquille. Allez, ça va durer un petit peu. Donc alors, je disais, pourquoi retour aux sources. Donc alors, retour aux sources.
Alors avant je faisais du motocross, voilà, avec plein de collègues et tout. Et comme j'ai eu mon 530, tout ça, le permis et tout, j'ai voulu arrêter le cross, passer à l'enduro. Et mon cross, voilà, j'ai mis sur le bon coin et tout ça, j'avais 250 CRF 2016, tout préparé, voilà. J'ai les bails, quoi. Qu'est-ce que c'est ça? Petite remorque. Donc voilà. J'ai voulu la vendre et franchement j'avais les morts. Parce que déjà d'une, il y a beaucoup de vols par chez moi, tout ça, des cross, voilà, des fils de pute encore une fois qui volent les motos. Et un mec qui est sponsorisé, son visage, champion d'Europe de motocross, tout ça, il habite dans les Pyrénées. C'était son daron. Son daron, il avait ce bêta. 350 bêta RR 2016. Voilà, tout préparé. Amortisseur avant, amortisseur arrière préparé. GRPG ou non, je dis de la merde là. GRJP, un truc comme ça. Bref, cartographie moteur. Ligne complète FMF. Voilà, là, il a pas beaucoup d'heures. Il a que 40 heures hein, la moto. Voilà. Après, franchement. Comme enduro, je voulais pas ce genre de roue, on va dire. C'était pas mon objectif. Je voulais pas ça. Mais bon, vu que mon cross, je le vendais, mais une misère. Parce que, voilà, les prix, j'ai perdu un fond d'argent en un an, même pas. Voilà, je suis tellement les morts que je l'ai changé. Je vous dis la vérité, je l'ai changé. Et donc celle-là, je peux la vendre plus cher. Si elle me gave, un jour ça me pète, je la vends. Parce que moi je voulais deux temps, un enduro, je lis de suite. Qu'est-ce qu'il fait le papy là? En roule hein. Voilà, je disais, je voulais un deux temps. Deux temps car déjà il y a beaucoup d'accélération, c'est plus nerveux, c'est plus vif que 4 ans, c'est ben, déjà le supermoto. Franchement après je dis pas que c'est de la merde 4 ans, mais je me régale quand même. Hein. On va aller là-bas, ça va durer dans la forêt. J'espère, voilà, du coup, moi c'est deux temps, c'est tout. En enduro, je prendrai deux temps. Et je vous verrai de toute manière quand j'aurai. Bon, pas maintenant, hein, mais vous verrez de toute manière. Vous verrez. Bah, ça va durer un petit peu. On va aller. Là-bas. Donc j'espère que vous m'entendez bien avec ce nouveau micro. C'est un Zaman, je sais plus quoi, je vous mettrai dans la description de toute manière. Il a 8 euros sur Amazon. C'est mieux que le Boya, parce que le Boya, vous avez que des merdes avec ce merde. Allez, on va saturer. Dans cette forêt hein. On va aller par ici, on va essayer. Attends, je vais faire demi-tour parce qu'on a la flemme. Allez, on s'aventure un petit peu. Bon, je sais pas où je vais hein. Dans une merde totale. C'est bien la nature hein. On a le temps de la découvrir. On va aller par où? Bon après j'étais con parce qu'en fait j'ai eu le bêta, j'ai eu des protège-mains dégueulasses. Je les ai enlevés mais je regrette. Avec les branches tout ça, ça me fait freiner et j'ai peur de tomber. Où c'est qu'on pourrait aller? Je vais draguer avec mes collègues ici.
pas où aller. Si je passe là, je vais me foutre dans la merde. On va aller par là. La branche, hop les. J'aime bien me foutre dans la merde. Après, je suis dans un coin où il n'y a pas trop de... Enfin, il y a de la forêt, quoi. Là, de la forêt. C'est pas français ce que je dis. J'ai de la merde ou quoi? C'est un endroit où il n'y a pas beaucoup de forêt, voilà, je voulais dire. Hop les. Je me fous de la merde là. Là-bas je pourrais passer mais bon. Comment gars? Bon, on va faire une petite pause parce que là je me suis mis dans la merde. Allez, on se retrouve après. Ça marche? On va essayer de monter là. Ah, je suis sorti cette merde. Ça va être un peu chaud, je vous le dis là. Au pire, on lâchera la moto. Hein. Je prends lente. C'est bien de se donner des objectifs dans la vie. Regardez, on va essayer de monter cette petite montée là. Enfin monter, ce talus plutôt. Ça a tapé gaillard, hein. Je vous le dis. Je suis monté, mais bon. La moto est chaude là, je le sens. Comme ça me chauffe le cul. Bon, ça va. Allez, on va faire un peu de... On va faire doucement. Parce que je me régale à la terre. C'est que dès que t'accélères, le cul part toujours. C'est de la bombe.
C'est petit saut à faire ça. T'arrives McDo, tu sautes là? De la boue. Oh dommage, pas du sable. Ah c'est énorme. Trop parti là. Ça va être dur, hein. Rempli d'eau, je suis. C'est beau la nature, je vous le dis moi. Qu'est-ce que c'est cool. Bon. Je suis paumé un petit peu. Je vais me croûter, con. On va où, les amis? On va retourner là-bas, sur notre petit chemin. Petite trace de pas qu'il y avait par terre. Bon, j'espère que le micro il marche bien quand même, hein. Que je sois pas déçu. On va aller là-bas. Les petits sapins au milieu de... C'est bizarre, quoi. Enfin, c'est bizarre. Oh là là, où je vais? Je vais planter des choux là. Et moi je veux pas ça. Je vais planter des choux. Un petit saut. Petit saut. Oh non, il y a des grosses merdes. Oh, j'avais oublié ici. Ouais, il y a celui-là. Petit rond-point. Où je vais? Alors après je voulais vous dire aussi, je vais pas faire que de l'enduro seul, hein. J'ai des amis quand même, hein. Ouh, ce lac. C'est quoi ça? Bon voilà les gars, je voulais vous dire que voilà, j'habite ici en fait. Voilà, là c'est mon garage. Voilà, attends. Attendez. Voilà. Nickel. Voilà, j'habite ici, je sors de chez moi, je suis direct dans la campagne. C'est pas au top ici. Franchement, il peut pleuvoir, grosse tempête, tsunami. C'est au top ici. On est abrité de tout. Voilà, on se casse. On a pas que ça à faire. On se casse. On va dans la nature. Après, il fait chaud quand même. Je suis au mois de fin janvier là. Je dois me geler les couilles normalement. Ben, il fait gaillard chaud. Il est 11h du mat, je crois, un truc comme ça. Ben, il fait vraiment chaud. Voilà, c'était une rivière, on dirait. Il fait vraiment chaud. Hein. Je crois qu'il fait faire 17-18 degrés. Ah, oh, putain. C'est lourd quand même, hein, 350 bêta. Là, il y avait un chemin. Mais en 1920. Voilà, il y avait le chemin. Oh.
je fous. Qu'est-ce que je fous? Je suis vraiment un connard. Hein. Ah, sa mère. La moto elle surchauffe un petit peu quand même. Ah, je crame toutes les feuilles, con. Ça prend feu, con. Et dégage. On va me foutre le feu à la moto. Pouah, ça pue le cramer. Allez les gars, je vous invite dans la campagne chez moi, vous avez vu où j'habite? Grosse grillade. Allez, prends feu le truc. Allez, on va remonter. Ça, je suis dans une merde avec les branches, j'essaie de les péter quoi. Ça va les couilles. On y va, mon tank. Voilà. Sors de cette merde. Bon, je rentre chez moi, les amis. On va se faire une petite grillade. Hop, allez, on galope, parfait. Donc voilà, les gars. J'espère que cette vidéo, elle vous aura plu. On a bien rigolé, on va dire. Je suis foutu dans la merde quelquefois. J'espère que cette vidéo elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de ce petit 350 bêta. Et aussi, dites-moi si ça vous plaît que je fasse de l'enduro quoi. De manière, je vais même pas vous poser la question, je vais en faire de manière. Question conne encore une fois. Non, ça déconne les gars. Sérieux, dites-moi si ça vous a plu cette vidéo et si je m'améliore dans les montages, tout ça quoi. Parce que moi je trouve que ça va. Je suis en train de m'améliorer tranquille. Je fais tout ça sur Sony Vegas Pro 13 sur mon PC portable. Nickel, bien sûr, j'ai pas acheté. Hein, je suis pas con. Hein. Tout le monde a craqué. Hein. Bon, voilà. Merci à vous en tout cas. Ça me fait super plaisir. Je suis en train de me motiver à fond. Donc là, je suis en train de prévoir un truc avec le 530. Une vidéo, mais du sale m'amène. Je vais partir à Perpille, rejoindre les collègues. On va faire du sale. Voilà. Donc voilà, je vous le dis. Il y aura encore quelques vidéos avec mes potes de chez moi. On va faire de l'enduro. Voilà, ils ont des crosses et tout. Oh putain, le morceau de bois, il est tombé d'un filtreur, je crois. Bon, merci en tout cas les gars, voilà. Faut suspension préparée GPRP. Voilà, il y a le site et tout, voilà. Après cette moto, franchement, c'était pas ce que je recherchais, je voulais une de temps. Mais je me régale en vrai. Elle a une maniabilité, on dirait un vélo le truc. Bon après c'est lourd, on le sent que. Par exemple si vous la faites tomber comme là, on le sent que voilà, il y a du poids quoi. Voilà, je vous dis merci tout le monde. À la prochaine. Allez, ciao tout le monde. Merci en tout cas.